dirais qu'il y a deux homophobies. Il y a ce qu'on appelle l'homophobie normalisée, c'est-à-dire quand on utilise les termes PD, tapette, etc., juste pour dire comme connard ou quelque chose comme ça. Et il y a la vraie homophobie qui est vraiment la peur des homosexuels, maladie, dont le sida et la maladie des gays, etc. Pour moi, ça, c'est l'homophobie pure et dure. Et je suis arrivé dans une coloc que j'appellerais de métalleux gamers. Donc, je ne sais pas qu'ils n'étaient pas tolérants, loin de là, mais il y en avait un ou deux qui étaient un peu fermés. Ils se disaient avoir des amis gays, comme Nadine Morano dit avoir des amis noirs. Enfin, moi, c'est la même chose. Et donc, le gars qui était quand même macho, on peut le dire, et qui pratiquait l'homophobie donc normalisée, comme je disais, a une fois, alors qu'il était énervé, m'a traité de sale PD. Et il est monté, il a claqué la porte de sa chambre. Et après, j'étais le retrouver après, je lui ai dit une fois, pas deux, parce que ça, je ne peux pas supporter. Et malheureusement, ça s'est reproduit. Et il est vigile. Et le problème, c'est que si je veux porter plainte, mais lui aurait perdu son certificat de bonne vie et mœurs, et ça voudrait dire que fini le boulot et tout. Donc tout ce que j'étais faire, c'est que j'étais à la police. Donc il a recommencé un sale PD alors qu'il était énervé. J'étais à la police et j'étais dire, voilà, j'étais donné son nom, information judiciaire, enfin information policière. Et donc son nom est là. Et s'il récidive, là, forcément, la personne qui va aller pour déposer plainte, ou en tout cas informer du problème, on va l'inviter à porter plainte. Et donc voilà, moi, ma philosophie par rapport à ça, c'est pas tout de suite aller directement dans le faut porter plainte, il faut les punir tout de suite. Non, il faut essayer d'abord de les éduquer, et si ça ne marche pas, là, il faut porter plainte. Je suis avec un pote ou quoi, même mon copain, je dis, arrête de faire ta tapette. Hein. Enfin, mais c'est pour rire, et c'est très bien que je rigole, et que je sais pas. Par contre, voilà, quand ça va être dans une personne qui n'est en tout cas pas sensibilisée aux questions LGBTQI, ben voilà, il va lâcher ça à son pote qui pense ne pas être... qu'il est quasiment, enfin lui il pense être sûr que son pote n'est pas homosexuel, bisexuel ou toute autre orientation ou expression de genre, enfin, etc. Mais le gamin qui va être à côté et qui lui se pose des questions, lui il va entendre PD. Et il sait que PD ça veut dire, enfin ça a une connotation homosexuelle, etc. Et donc cet enfant va entendre ce que je suis est négatif, je suis mal, je suis... Et moi c'est ce que j'ai un peu vécu aussi, je viens de Chimay, fin fond de... la botte du Hainaut, et jamais je me serais réussi à me déclarer. Et j'ai vu un jeune qui s'assumait dans l'école, qui était clairement mis à l'écart, et donc ça ne m'a pas encouragé à moi prendre, comment dire, prendre le courage, mon courage de main et de me déclarer. Et c'était du coup une souffrance pendant des années, et il a fallu que je quitte Chimay et que voilà, je prenne mon indépendance, et là, dire maintenant, ça ne fait que 4 ans et je me sens totalement épanoui et le milieu me rend heureux à faire un petit peu avancer les choses. Ben, je ne vais pas dire que je suis fier, mais je suis satisfait. Je suis content.